ici, je pense. Et le collage, pour moi, je ne le fais pas comme ça gratuitement, mais pour moi, le collage, il apporte deux choses. La couleur et le relief. Vous voyez ce relief-là, qui rejoint le relief de spatule. Quand on applique la spatule, elle met la peinture en épaisseur. Et donc, pour moi, le papier, il apporte aussi ce relief. Là, on le voit beaucoup mieux. Vous voyez le relief. Donc, il y a aussi le papier de soie, vous voyez, la tache orange. C'est le papier qui apporte cette couleur-là. Donc j'utilise tous les moyens techniques pour satisfaire ma recherche, mon besoin. C'est mettre les couleurs, les contrastes au service d'expression, ce que je veux transmettre. Tout en gardant ce côté personnel, c'est-à-dire moi dans ce tableau, c'est le mouvement, c'est la façon d'appliquer aussi la peinture, parce qu'il y a beaucoup de caractère, de présence, de nervosité dans le travail. Au départ, je travaille la couleur, le mouvement et tout. Et c'est la lumière qui trace un tableau. Donc moi c'est un élément majeur dans ma peinture. Et autre chose aussi, pour moi la lumière, c'est la lumière qui trace les silhouettes. Et les silhouettes, l'architecture, c'est comme une façon de redessiner le tableau. Je prends ma liberté au départ de placer mes couleurs et tout, mais après, c'est grâce à la lumière que je dessine mon tableau. Et donc, la lumière met en valeur la forme et la couleur aussi. Oui, c'est comme des notes musicales. Quand on chante, quand on joue, ces touches-là, c'est des notes, vous voyez. J'essaie de créer une certaine symphonie, une certaine de couleurs, de contrastes. Vous voyez, quand je parle de couleurs, je parle de contraste, qui dit aussi lumière. Dieu a dit, « Alam tara ila rabbika kayfa madda dalla, walau sha'a la ja'alahu sakinan, wa ja'alna ash-shamsa alayhi dalinan. » Et donc, ici c'est la négation. Il dit, et si Dieu veut, et il peut le rendre, bon, sakinan, on va dire, c'est plat. Donc il n'est pas plat. Dans l'ombre, il y a la lumière aussi. Il y a des valeurs de lumière qui sont dans l'ombre. C'est-à-dire, c'est le contraste là. Là où l'ombre s'arrête, la lumière commence. Et c'est-à-dire, le soleil, il est à la limite. C'est-à-dire, toute cette lumière qui envahit l'univers, ce n'est que l'ombre de Dieu. Et la couleur, c'est sa présence. Vous voyez, c'est... Tout ce monde-là, c'est un monde qui m'influence, bien sûr. Et moi, de ma part, j'essaie de travailler sur ce bagage-là et essayer de m'exprimer en peinture.